Non, c'est comme dans le film, un feu, genre, avec Travolta, t'as vu? Ok, pourquoi tu parles? Genre, tu sais le film Travolta, genre, où il danse et tout, Saturday Night et tout. Il me régale, frère. Tu la connais, cette fille, là-bas? Non. Ok, merci de ton aide. Te casse, frère. Hey, salut! Coucou. Ça va? Très bien, et pas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais ouais, c'est clair, tu deviens quoi? Bah écoute, hey, ça va, je viens. Salut! Tu vas bien? Ça va? Bien. Dis-moi, la fille qui t'est venue, c'est qui? Ça veut pécho. Elle s'appelle Léa, c'est une super pote à moi. Il faut que je lui parle. Ok. C'est particulier, hein, comme goût. Bam, c'est ignoble, ce truc. Comme première impression, j'ai déjà fait mieux. J'ai bien aimé, moi. Andy. Mélanie. Oh, mytho. Léa. Ok, tiens. J'ai goûté un de tes trucs dégueu. Bon, t'as goûté un truc que j'aime. Allez. Bah, c'est pas moi qui les ai faits, hein. Certes, mais c'est à cause de toi que j'ai mangé ce truc-là. Allez, goûte. Ok. Ah, c'est pas bon. Ouais. Mais au moins, toi aussi t'as craché. On est quitte. Ok. Ok. Très bien. À mon tour, alors. Tiens. J'avais pas pour projet de vomir. J'aime bien créer de nouveaux objectifs, moi. Ok. Non? Y'a plus trop à manger, donc... ça te dit qu'on aille s'asseoir? Ouais. Ouais, carrément, ouais. Non, frère, c'est t'as fait un plaisir, franchement. Genre, depuis que tu connais, mais genre, t'as fait un plaisir. Ouais, je t'ai plus dit, la bonne mère. Ouais, tout va bien. Ouais, merci. Allez. If it's a dream, don't wake me up. I'm where I should be, right next to you. Et là, c'est bien. Du coup, dans le lac, il y a Orest aussi. Oui, il y a Orest. C'est le fer. Oui, je sais. Ouais. Et ça, la pièce d'Orest, ça, c'est cool. Ah, il y a une pièce. Ouais, ah, si tu veux. Déjà debout. Pardon. Vous avez pas dormi? Peut-être. Bandit, tu m'en veux pas, mais faut que je te l'enlève. On y va, meuf? Ouais. Ouais. Andy, c'était sympa de t'avoir rencontré. Thank you.
peux avoir ton Facebook, ton numéro, quelque chose? Désolée, on dit. Mais quoi? Sérieux? Si t'arrives à me revoir, promis, je te le donne! Mais allez, Anna, fais un effort! Mais je vais pas forcer le destin! Mais si, si, force! Je trahis pas les amis! Oui, mais on est amis aussi, non? Ok, ok, je retiens. Bon, je dois y aller, Andy. Je dois y aller, bonne chance. T'as réussi à avoir son numéro? Non, même pas un Facebook. T'as cherché au moins? Tu sais le nombre de Léa qu'il y a? Beaucoup trop. Jamais trop de Léa. Je suis pas raciste de Léa. Je veux juste trouver celle-ci. C'est quoi un peu? Imagine qu'elle vit plus ici. Oh, dis pas des trucs comme ça. C'était pas venu à l'idée qu'elle était là juste pour des vacances? Non, Quentin, non. Ça m'était pas venu à l'esprit. Je reviens. Je te laisse. J'ai un petit peu fait quand même. C'est alors, quelle coïncidence? Ça va, c'était pas trop dur de courir du centre-ville jusqu'ici? Vous saviez? Vous vous êtes pas arrêté? Bah, peut-être. Qui sait? Le fait est, j'ai réussi à te revoir. Là, on va rater notre bus. Faut qu'on... Viens! Thank you.
du coup, tu te rends compte, ça fait quand même depuis novembre que j'ai envoyé la lettre, que je leur ai expliqué, que j'ai écrit, surtout que c'est pas compliqué pour eux. Franchement, les deux groupes sont faits. Celui dans lequel je veux me rendre, il est plus vite que l'autre, ça les arrange, c'est logique en fait même. Et là, on est en juin, toujours aucune réponse, ça veut dire que je vais devoir attendre les deux mois d'été. L'année prochaine, je sais pas comment m'organiser, enfin, c'est n'importe quoi. Léa, tu m'écoutes? Hein? Toi, tu me lâches un 1? Dis donc, tu me cacherais pas des trucs, madame? Quoi? Des trucs du nom de Andy? Non. Ah, mais c'est qu'elle rougit, en plus. J'ai accepté d'aller passer une après-midi avec lui. Ouh! Mais ouh, rien du tout. On va juste sortir. Ouais, ouais, pas moi. En vrai, il te plaît? Non. Peut-être. Laisse faire. Tu devrais avoir honte de m'avoir laissé courir comme ça. Et tu sais pas, je me suis arraché. C'était pas mon idée, hein. Vraiment? Bon, ok, je mens, c'était mon idée. tu veux qu'on aille quelque part? Je sais pas, un endroit que tu aimes? T'es prêt à marcher un peu? Tu peux emmener au bout du monde. Oh, mais quelle disquette! Bon, allez, suis-moi. Mais c'était pas une disquette! Voilà. Ici? Pourquoi ici? Je sais pas. Je me sens bien ici. Et puis il y a une vue magnifique. Magnifique. C'est le mot. Eh bien, reste pas derrière. Tu verras mieux d'ici. Et donc j'ai décidé de faire des études de commerce pour pouvoir travailler à l'étranger. Et puis il y a quelques mois, mes parents ont décidé de revenir s'installer dans la région. Et du coup, me voilà de retour là où j'ai grandi. Sinon, j'avais gardé quelques contacts avec Anaïs et d'autres collègues. Et c'est ce qui fait que je suis allée à la soirée. Et maintenant, tu me harcèles. Je te harcèle? Ouais. Faux. J'ai simplement les objectifs auxquels je tiens. Ok, donc je suis un objectif. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Ton numéro était un objectif, je pourrais jamais dire la même chose de toi. Waouh, ok. Wow, ça me lance des disquettes et ça m'appelle objectif. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je suis un goujat. Qui puis-je? Mais je suis au regret de t'annoncer que je vais devoir te garder un peu. J'en sais pas assez sur toi. Je sais d'où tu viens, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup de choses. Je t'écoute. Alors, j'aime l'opéra, l'histoire. Voyager aussi, même proche, juste pouvoir me promener tranquillement, voilà, profiter d'un moment en fait. Et j'aime les animaux aussi, énormément. T'es le genre de fille à avoir un poney? Non. C'est mal poli de dévisager les gens. T'es radieuse quand tu ris comme ça. Donc non, j'ai pas de poney, mais en revanche, je fais du bénévolat dans deux chenils pour habituer les chiens battus ou abandonnés au contact humain plus approprié, en fait. Intelligente, jolie, généreuse, c'est quoi ton secret? Mon secret? Bah, c'est un secret. D'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas. J'aime bien les scènes ouvertes. D'ailleurs, j'allais souvent voir les gens chanter avant de déménager. C'était mes petits plaisirs. Et... voilà. Okay. Mais assez parlé de moi. Je pense que toi aussi, tu dois avoir des choses à raconter. Donc, qui es-tu, Monsieur Andy? Monsieur Andy? Ouais. Ça fait un peu proxénète, non? Oui, c'est vrai. Ouais, je m'en suis rendu compte très tard. Ouais. Donc moi... j'aime me promener. Y
écouter de la musique, énormément. Jouer à la play, parfois. Sortir avec des potes, discuter pendant des heures. Surtout quand je trouve ça fascinant. Et qu'est-ce qui te fascine ? Toi. Arrête. Si, si, je te jure. Tu me fascines. J'ai rien d'extraordinaire. Tu te vois pas comme moi je te vois, c'est tout. Ok, je veux en savoir plus. Tes chansons préférées ? Pense à moi, du Fantôme de l'Opéra. Et la tienne ? Only Human, Christina Perri. Oh non, moi aussi j'adore cette chanson. Oh, elle est tellement belle. Bon, tu me l'as fait écouter ? Only Human ? Mais non, ta chanson. Ah, d'accord. Bon, et après tu me fais écouter la tienne du coup. Ouais. Deal. Ok. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va se plaire. Du moment qu'il y a des animaux, tu sais, moi je suis content. J'espère bien. Tu fais ça tous les combats ? Un ou deux week-ends par mois, je pense. Enfin, quand mon temps me permet, bien sûr. J'essaie vraiment de faire mon maximum avec eux, tu vois. T'es une personne vraiment étonnante, tu sais. C'est gentil. Bref, j'essaie de leur donner un peu de bonheur. Ils méritent pas la cruauté des hommes, tu sais. Étonnante. On va voir les chats après ? J'aimerais beaucoup, mais je suis allergique. T'es allergique aux chats ? Mais quel est le sens de ta vie ? Je t'ai traumatisé ? Bah, je comprends pas comment ça peut être possible. Je baisse dans ton estime ou je peux avoir un peu de considération ? Je vais réfléchir. Si, allez, une partie. Ouais, mais je suis pas très play. Je vais te montrer, t'inquiète pas. Je joue jamais. Bon, soyons fous. De toute façon, si on vit pas de folie, on n'avance pas. Ça va, c'est une partie de play, hein. Pas un saut en parachute. J'essaie d'accepter ma future défaite. Alors laisse-moi faire, d'accord ? Okay. Thank you.
Olivier. Ah. Eh ouais, je t'ai défoncé. Oh là là. Ça va? Ah ouais, tu te débrouilles plutôt pas mal, hein, finalement. Eh ouais. Ben, comme tu le dis si bien, je suis prête à te mettre d'autres tollés. Ah. Ce qui inclut un retour potentiel de ta part. Bon savoir. En effet, c'est possible. Tu fais que réviser là, tes examens, tu vas... Ah, attends mec, c'est bientôt là. Tu vas carburer, tu vas être trop long. Moi, je vais complètement être... Ah ouais, tu penses? Non. Un peu, on fait des impôts. Non? C'est bon. Allez, sur là. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Salut. Tu veux qu'on aille... On va manger quelque part? Salut. 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 Léa. Salut. Bientôt. Demain. Ouais. Ça va aller, go. Salut. Ciao. Ciao. Tu veux qu'on aille manger une glace? J'aime pas les glaces. T'aimes pas les glaces? Mais quel genre de monstre es-tu, toi? Si tu veux tout savoir, je trouve ça trop froid. Bah, en même temps, une glace chaude, c'est de l'eau. Bon, écoute, ok. Je suis prête à faire un sacrifice et je veux bien manger une crêpe. Oh, dire sacrifice? Oui, je sais. Je suis trop bonne. On y va? On va poser nos sacs avant. Par rapport au gros Mirabeau, c'est un peu le truc le... Viens. Hey. Ça va aller? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Ça va, ça va. Je suis fatiguée. Je vais rentrer, je vais aller me reposer. Je peux t'accompagner? Pas trop, mais ça aurait pu quand même être important. Et sinon, bah, j'ai une épreuve le 3, donc c'est bientôt. J'ai un spectacle. Et à la fin, le prof nous pose des questions pendant 10 minutes. Et donc moi, je dis oui, je suis sûre et tout ça, mais bon, après, je fais ce que j'ai pu. Et puis, il y a pas mal de mes camarades aussi qui... Et du coup, je vais revoir en plus. Maintenant, je suis là aujourd'hui, mais j'habite pas ici en fait, j'habite à Fos. Et c'est à quoi la même journée aussi. Je suis complètement dingue de toi. Pardon? Je suis fou amoureux de toi, Léa. Complètement, viscéralement amoureux de toi. Arrête, te moque pas de moi. Je me moque pas. Je pourrais le crier au monde entier. Tiens,
monde. S'il vous plaît. Je suis amoureux de cette fille. Je l'aime comme un fou. Arrête, arrête. Tout le monde nous regarde en plus. Et... Non mais excusez-le, c'est le café. Ça le... C'est pas le café. C'est l'amour. Ok. Non mais... T'es un bon ami, hein. Ouch. Bienvenue chez moi. Je vais te présenter à mes parents. Ouais. Je leur ai dit que tu venais. Ils sont trop contents. Tu vas voir, ils sont adorables. Vraiment, ils sont très fous. Le ciel. Vous êtes très gênant. Oui, enfin, je te rappelle que t'as le même rythme que nous quand même. Hein. Alors, n'y pense même pas. J'ai oublié cette information. Oui. Bah, je vous présente Andy. C'est le charmant jeune homme dont tu nous as parlé. Sam, c'est gênant. Eh bien, ravi de te rencontrer. Tout plaisir pour moi. Vous avez une maison ravissante. Oui, bah, j'ai la fille et la femme ravissante aussi, c'est pour l'harmonie. Je vais les discuter, je vais préparer la table. Maman, ce soir je mange pas à la maison et je vais rentrer tard, je pense. Mais fais ta vie, mon enfant. Vous allez manger quoi? C'est une surprise. Ok. Bah, j'en sais pas plus, du coup. D'accord. Je reviens. Je vais me changer. Tu veux boire quelque chose en attendant ou... Un verre d'eau? Je m'en occupe, vas-y. À toutes. À toutes. Installe-toi, je t'en prie. Bah, c'est simplement des choses qu'il faut savoir, pas pour la suite, parce... Ma chérie, tu es... époustouflante. Ravi de vous avoir rencontré, madame. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. C'était vraiment excellent. Mais je me tiens que t'aurais vraiment pas dû m'inviter. Je suis content que ça t'ait plu. C'est ma mère qui m'a fait découvrir le restaurant. Ah ouais? Ouais. Ah. Va falloir se dépêcher un petit peu. Ah bon? Ouais. Ben on va où? C'est une surprise. Viens. Ok. Ok. Ferme les yeux. Puis-je appeler la police? Peut-être. Non, allez. Ok. Puis-je retrouver la vue? Tu puis-je? J'étais sûre que tu connaissais pas. Viens, tu vas adorer. Viens. Ok. Je me souviens de toi. Évidemment. Il était une fois l'amour, celui de toi et moi.
sexe qui n'existe pas, je l'ai trouvé en toi. Dis-moi tout bas que je ne rêve pas. Tu me donnes des ailes, je veux que mon cœur étincelle de mille merveilles. Je veux que tu penses à moi, que tu crois en moi. Que la chanson de ta vie ce soit moi. Il était une fois l'amour avec toi. C'était grandiose. Ça ne va pas ? Si, si, ça va. Mais je vais rentrer. Je te raccompagne. Ta narration, qu'au bout, chaque mot, chaque syllabe, chaque intention, tu sais exactement pourquoi tu dis quelque chose, et t'en as déjà parlé là, avec toi, et tu sais exactement comment en politique tu défends quelque chose, t'as un oratoire, les gens qui t'écoutent, le public, c'est juste extraordinaire, les discours que tu peux tenir, les émotions qui en ressortent, mais l'argumentation, tu te fais l'avocat de ton personnage, et on peut pas continuer. On peut pas continuer. Je suis désolée Andy, mais je t'aime pas. T'es très gentil, hein, mais ça doit s'arrêter là. Au revoir. Je m'en fous que tu sois malade. Pardon ? Je t'aime, mais en forme, malade, unijambiste, je t'aime. Je t'aime pour toi, pour ce que tu es. Je m'en fous que tu sois malade. Je n'aime que toi. Mais comment est-ce que tu l'as ? C'est ta mère qui me l'a dit. Elle a voulu me prévenir, mais ça ne change rien. Je suis amoureux de toi. Je veux être avec toi, tout le temps qui te restera. Andy ? Je vais mourir, moi aussi. Peut-être demain, peut-être cette nuit. Peut-être dans 80 ans, qu'importe. Je veux juste être avec toi. C'est pas une bonne idée. Léa, tu fais ce que tu veux. Mais accepter si tu ne veux plus de moi. J'ai aucune raison de te laisser tomber comme ça.
Nitya. Je sais. Je t'aime. Moi aussi. Je suis obligée de me séduire comme ça, tu sais. Je te séduirai tous les jours. Encore et encore. Épouse-le. J'aime beaucoup cette manière de voir la vie, madame. Ouais. Ben allez, hein, on y va. Au revoir, madame. Il voit ça, la blonde qui est tout stressée. Il fait, oh, chérie, tu te calmes, déstresses, et on range la boîte de complexe. C'est trop nul, je suis désolée. Non, mais... C'est vraiment... Non, mais... Je fais ce que je peux, putain. Ça va aller? Simplement, si t'as besoin de quoi que ce soit. Ok? Ok. Tu m'entends? C'est une coronaropathie. En gros, mon corps reçoit de moins en moins de sang à cause d'un ou plusieurs blocages. Et j'ai un dépôt qui rétrécit les artères coronaires. Et parfois, mon cœur fait des sortes de spasmes. Dans ce cas-là, je vais à l'hôpital. Et là, ils me bourrent de médicaments en espérant me maintenir en vie. Encore et encore. Ça fait très mal? Pas tout le temps. C'est des sortes de crises, tu vois. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Oh, mais c'était nul. Oh, ça va, c'est pas moi qui écris les paroles, hein. Ils t'ont dit combien de temps? Environ 3 ans. Mais bon, quand j'étais petite, ils avaient dit à mes parents que j'irais pas jusqu'à mes 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18 et je m'en sors plutôt bien. C'est pour ça que tu as disparu pendant 3 jours? Ouais. Quand je suis rentrée, la douleur était persistante et je me suis évanouie. Du coup, ma mère m'a emmenée à l'hôpital et... Voilà. J'ai cru que j'avais fait ou dit une connerie. Je me suis grave inquiété. Si, non, mais c'est vrai. Mais non.
T'es parfaite. Là, tu vois, là, c'est Tony Stark, là. C'est encore Iron Man, là, il est en train de vendre des armes. Les terroristes et toute la technologie, tout ça, il sait pas qui crée des armes pour les terroristes, pour le coup inverse. Voilà, là, là. Là, maintenant, il est kidnappé et il sait qu'il n'a pas donné les bonnes armes aux bonnes personnes. Christian Lemur, il met son casque, tout ça, les lance-missiles, les propulseurs, et ça y est, là il sort de la grotte et là il est joué, elle est défoncée, tu vas voir, je... Alors on mange où ? Tu m'as dit que t'aimais manger chinois, non ? Votre proposition me tente. Ok. Alors, on commande chinois, on mange chez moi. Devant notre film Marvel. Ça te dit ? Vous avez su nous convaincre, jeune demoiselle. Faisons cela. Ah ouais. Et ça surprend, tu en y crois pas ? Et à chaque fois on se dit, bon bah qu'est-ce qui va se passer, les personnages principaux, à chaque fois ils montent en puissance, tu sens que bah en fait ils vont gagner, tu vois. Ben non en fait, bam, pareil, le fils de Ned Stark, Rob Stark, les noces pourpres, le mariage, tout ça, bon je te dirai pas, je te spoil pas, mais en gros c'est ça, c'est pareil, chaque fois que tu penses qu'ils vont gagner, qu'ils sont sur la bonne voie, bah, bim, ils se font prendre par les méchants. Et ah ouais. Et ouais, c'est ça. Mmh. Ah, ça c'est une bonne série, tu vois. C'est vrai. Ouais. Bon, je t'en parle, tu connais même pas, mais bon, peut-être non, qu'un jour pas si pas tu te mets... C'est un détail qui m'a dit. La semaine prochaine, je dois aller faire un check-up à l'hôpital. Donc je pense qu'on se verra pas pendant plusieurs jours. Je pourrais pas passer te voir ? Honnêtement, non. Je préfère pas que tu me vois comme ça. En plus, ils me mettent plein de fur partout. Pas bonne ambiance. Pas bonne ambiance ? J'adore. C'est jamais bonne ambiance chez les hôpitaux, de toute façon. Ouais, exactement. C'est pour ça, du coup, non. Mais c'est mignon en tout cas. On joue à la play ? S'il te plaît. Je vais te mettre une tôlée. Je croyais que t'aimais pas jouer à la play. Ouais, mais pourtant je peux faire un effort. Okay.
on vivait ensemble. Pardon ? Je viens d'avoir mon appart. Je veux que tu sois près de moi. Pourquoi est-ce qu'on vivrait pas ensemble ? D'accord. Pardon ? Bah d'accord, ouais. Ça fait un an qu'on est ensemble. Je veux être avec toi. Et je t'aime. Je vois pas pourquoi je dirais non. De fraises au chocolat. Tu veux que j'aille en ville? T'en chercher? Oui. Ok. Je reviens vite. Attends.
t'aime encore plus. Thank you.
Seul sur la lampe, je suis très bas. Seul sur le pont, tu n'es.